Bonjour. Bah, écoutez, c'est en train de devenir une habitude que de vous convier à partager un petit peu mes aventures figurinistiques les plus intéressantes. La dernière fois, c'était le porte-bannière Renaissance du Triomphe de Maximilien qui a eu un beau succès, je pense. Là, je vous convie à vous engager dans une aventure qui s'annonce au moins aussi intéressante, puisqu'il s'agit du duc de Guise lors du carrousel donné par Louis XIV en 1638. Le duc de Guise, déguisé en roi américain, tout au moins ce qu'on s'imaginait être les Américains à l'époque. Ça va être un gros travail. De plus, je vous invite à partager la création totale de la pièce, puisque si la dernière fois on avait abordé la peinture, ici on va démarrer quasiment de zéro. Voilà, en route. Alors ici on peut voir le document de départ dont je vais m'inspirer, un document bien sûr d'époque. Hein. Ici déjà le cheval qui a été sélectionné, qui est un cheval phénix en plomb, qui remonte à 20-25 ans. Le socle a déjà été choisi, je pense que bon, ça peut très bien évoluer au fil du temps, mais je pense que ça sera le socle retenu en définitive. Ici, on peut voir des études qui ont déjà été faites pour le caparaçon, études sur papier, ainsi que pour les petits festons qui vont border le bas de ce caparaçon. Voilà, ici, on voit le cheval déjà équipé du caparaçon qui a été créé dans une seule feuille d'alliage de pâte, du brown stuff et du milliput blanc. Donc la feuille a été moulée pratiquement sur le corps. Elle garde une grande souplesse et elle peut s'enlever très facilement. J'ai choisi ce cheval parce qu'il présente vraiment les caractéristiques de beauté équine de l'époque. Une tête très, très mince. Alors ici, on peut voir le feston terminé. J'avoue en avoir un peu bavé après de multiples essais de découpe dans le plastique art mince, dans la feuille d'étain. Je me suis finalement rabattu sur le papier découpé et plastifié. On peut voir ici la manière de constituer les petits serpents. Donc ce sont en fait des petits rouleaux de duro pur. Ici on peut voir la tête de dragon de Krupp, de la gueule duquel vont sortir tous les serpents qui enrobent les crins de la queue du cheval. On voit ici que j'ai appliqué du mascol sur le dos parce que le cheval est arrivé à un stade d'achèvement qui va me permettre de le peindre. Donc il va se faire ses sous-couches à l'aérographe. Ici on peut découvrir l'ébauche de l'anatomie du personnage. On peut voir aussi le début de fabrication des aigrettes. Il y en a 5 disposées sur tout le cheval. Alors on peut voir ici la peinture à l'huile du cheval, qui est en bonne voie d'achèvement. C'est un cocktail au niveau des teintes de Braunmäder alizarine, de sienne brûlée, de terre d'ombre brûlée, un petit peu de jaune cadmium foncé, notamment pour les éclairages. Les ombrages, quant à eux, sont pratiqués en additionnant du noir dans le ton de base. Alors on peut découvrir ici le cavalier, dont l'anatomie commence à prendre forme. Il s'agit d'une anatomie en résine qui est issue de mes réserves. Voilà, maintenant nous allons étudier un problème un petit peu délicat, celui des écailles d'armure. Ces écailles en 54 mm posent évidemment le problème de l'échelle. Ici, j'ai opté pour des écailles qui font 1,5 mm de large. Je vais fixer le plasticart avec un petit scotch pour que ça bouge pas pendant les opérations. Et je vais mesurer ici 5 largeurs. 5 petites bandes d'1,5 mm de large, ce qui devrait suffire pour terminer, suivant mes calculs,
les écailles pour le dos de mon personnage. J'essaye jamais de couper en une seule fois, il faut mieux y aller sans forcer et repasser 4 ou 5 fois. Voilà. Je m'aide pour ce faire de la plus petite des pinces, qui est une pince d'ophtalmo. Donc j'arrondis deux des angles en essayant d'être le plus régulier possible. Je crois qu'il y en aura 280 sur l'ensemble du personnage, hein. Torse et dos compris. Et pour que ça soit vraiment intéressant à l'œil et facile à appliquer, il faut les brunir un petit peu. Ici avec un petit outil de dentisterie avec des petites têtes au bout. Donc je bombe mes écailles en la passant en plein milieu comme ça. Ici sur ce couvercle, j'ai déjà mis une goutte de cyanolite gel. Je vais y ajouter une goutte de colle blanche. Je la pose dans la colle blanche. Alors là, il faut aussi avoir un petit peu le sens du dosage. Je la dépose. Je la mets en forme, plus ou moins. J'en prends une seconde. Alors j'ai vraiment toujours le côté bombé vers l'extérieur. Je viens la juxtaposer très exactement à la précédente. Pour parfaire le collage, je prends une aiguille, une épingle que je trempe dans la cyano-gel, liquide plutôt, et je viens la poser à la base. De ce que je viens de faire. Par capillarité, la colle cyano va plus ou moins passer en dessous et fixer définitivement la petite tuile de la petite écaille. Alors à ce stade, on peut voir terminer le bas de jupe qui est en alliage de A plus B plus brown stuff. La manche droite qui est en brown stuff pur. Et on voit aussi ce que j'appellerais l'entonnoir de manche, faute de savoir comment ça s'appelle exactement, qui est fabriqué, elle, en découpé dans une feuille d'étain mise en forme. Alors on peut voir ici le cheval quasiment entièrement terminé, avec tous les ornements constitués de petits serpents, de têtes de gorgone. Alors je vous présente maintenant la coiffe de plumes d'autruche. Elle est constituée de à peu près 104 éléments différents, montés sur une armature en fil de fer. Ces plumes sont travaillées au green stuff ou au brown stuff, suivant les cas. Qui est vraiment le produit idéal pour obtenir un tramage et qui ressemble un peu à au côté bouffant des plumes. Voici donc la création terminée. Elle a pris au total 97 heures environ. On peut voir le travail qui a été effectué sur le casque, sur la chevelure aussi,
les franges de la jupe, la main qui tient la massue. On voit aussi les dragons de bottes. Ici, tout le travail effectué au niveau du sabre et des bélières, ainsi que le dragon de botte et les étrivières. On peut voir l'état d'avancement du terrain. L'arrière a été fait en A plus B Beauty, que j'ai laissé mûrir quelque peu avant d'imprimer les pavés. Tandis que sous les postérieurs du cheval, on peut voir les prémices du terrain qui est créé en pâte à bois.